Zami compatriotes TV la kay Haiti.com yo, gros bonjour ak bonsoir pour nous tous, dépendamment de l'heure disponible pour assister vidéo ça. Et jodi c'est vendredi 15 juillet 2022, c'est 5e sortie nous pour semaine là. N'ap di merci à tout le monde qui rete connecté sur canal ça. N'ap di merci à tout si là qui toujours laisse un commentaire en bas chaque grain vidéo nous. N'ap di merci tout avec deux monde qui toujours like vidéo sur Facebook. Et bien mesdames et messieurs, nous là pour nous kembe informer sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bilan RNDDH sorti, et bien bagay la grave quantité moun ki mouri là nan et jou ki ki sot passé là, son bagay qui est vraiment grave et pour quantité mouri déjà et qui a continué mouri, on dirait que gon l'état privé Haïti a vide parce que pas joine moun encore pour mourir parce que bandi yo pas décidé déposer les armes, autorité yo même pas décidé. Et donc coupé fâché avec un gang, et bien c'est eux même encore cap armé groupe gang pour goumen face à face et pour mettre pays à côté là eux même pour faire cobio sous tête misère population. L'église catholique impliquée dans dossier ZAM, eh bien monseigneur te parlé, il fait connaître que l'église catholique pas commande ZAM et pas de gain rien y a tant cap sorti l'autre bord et ben qui gain rapport avec yo et dans divers papiers qui eux même et ben information de carison ZAM ça yo et ben divers noms qui eux même révélé. En tout cas nous voyons comment l'église catholique te qu'on lever contre président Jovenel Moïse et puis jodi à là ouais impliqué dans dossier ZAM cap entré dans pays a nous pas besoin de complot l'homme Jovenel pas de pitié du tout. Non chant masse bagay la pas douce côté yon marchand saucisse ta coupé gorge ti demoiselle. Et bien en dans vidéo ça nous pote et bien voix RL Prod pour qui parle bon tout en détail yo sou et bien ça qui a passé dans pays ya NDDH mette note de yon mette et bilan de yon disons un rapport qui est même bay quantité moun ki mouri et dans ti jou ça tout passé là. En tout cas Haïti pour qu'on connaît qui ça le fait la payer bagaille grave. Rete connecté bon écoute tout le monde n'a tourné. Les infos. Gayen Rosemi Jean. C'est nous un service qui lui même te recevoir un coup de couteau en bas gorge hier soir. Alors c'était mardi le 12 juillet dans zone champ de masse place pompier nommé yon machan saucisse. Kote Rosemi tal ran dernier souffle sous cabane de l'hôpital aux environ 2h nan matin d'après sa proche li yo fait konnen. Incident sa arrivé après victime là te gen bouche l'ouvri ak machan saucisse là que nous poko gen identité li et tragiquement li pral agi façon ça. Kote quelques minutes après la police te arrêté individu si là. M'te passé dossier ça dans l'émission dont on fait tout à l'heure. Imaginez comment yon demoiselle li même li pedi la ville. Mais écoutez, et la police t'a arrêté jeune garçon ça et que en pile l'autre jeune garçon t'a demandé monsieur pour être capable de touyer le sous place. Monsieur m'a dit merci parce que la police a arrêté elle. Parce que si la police pas t'arrêté, eh bien population t'a massacré li. La police nationale d'Haïti possédait à saisi 26 caisses qui gagnaient un total 25 000 cartouches dans le port de paix. Munitions Sayo découvrit à bord un camion marque Isuzu Forward immatriculé TM12118 qui était paré pour capable quitter ville en direction Port-au-Prince. Après constat légal, juge de paix Paul Blanc substitue commissaire gouvernement Wisminder, lui, lui ordonné arrestation Churchill, petit frère, qui les même tap transporté marchandises illégales, ça y est. Puis, il a saisi camion, chauffé à lui-même, te guette échappé pour lui. C'est une deuxième opération d'envergure qui menait par bon côté la police dans le niveau département nord-ouest pendant mois juillet. N'a pas rappelé pour vous, 1er juillet passé, a gagné 120 000 cartouches, il a saisi dans un domicile nommé et dit la France dans port de paix. Quelques jours après, la police a arrêté Jonas George, propriétaire bateau Lily, qui lui-même a cheminé munitions dans le pays depuis les États-Unis. Contre toute attente, commissaire gouvernement port de paix, Michelet Virgile, t'a décidé de libérer une suspect avant de jouer une révocation pour faute administrative grave et puis tout. Il a arrêté lui dans le cadre même dossier si là. Ça allait bien, oui.
Ça c'est pour Port de Paix. On arrive sous Port-au-Prince. Port-au-Prince, il y a un tweet qui était sorti par beaucoup de radio, télé, tout partout, disant la PNH a procédé à la saisie de 26 caisses de cartouches qui gagnaient 25 000 cartouches. C'était donc le mardi 13 juillet 2022 à Port-au-Prince. Munitions ça y est remarqué à bord d'un camion en direction Port-au-Prince. Churchill, petit frère, jeune arrestation, c'est les mêmes qui t'a transporté marchandises ça y est. Mais, je n'ai pas dit à la, on va vous dire tête, non, c'est que l'église. L'église pas sérieux, même. L'église entraîne dans un scandale, oui, mes amis. Douane Port-au-Prince saisit une cargaison ZAM qui t'a vini sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Nous mêlons. Oui, dans ça, Haïti, je n'ai pas dit à la, mais dans qui ça l'église la gécole. Eh bien, d'après dernière information, yon cargaison ça. Vini sous nom l'église épiscopale d'Haïti, qui lui-même utilisait franchise, li gagne, li vend franchise là, ou bien li baye franchise là, et puis sortant de là, l'obé a fait sous nom l'église épiscopale. L'église, prends même, parce que gon paquet de bagay, ka passe dans le pays à l'âme, t'as capable de dire, l'église, l'irresponsable, en pile dans bagay sa yo. C'est grave, oui, c'est grave. Ou imaginez une société a détérioré, dégradé, fini, insécurité a fini à qui on paye, et puis l'église même, maintenant qui ça l'église fou école. Transition pour Cité Soleil. Dans un rapport qui rend public, mercredi 13 juillet 2022, Réseau National Cap Défendre Droit Moun RNDDH dressé un premier bilan, 7 premiers jours affrontement entre coalition gang yo dans Cité Soleil. Lundi coalition gangyon palé de G9 ak GPEP. D'après RNDDH, sorti 7 pour arriver 13 juillet 2022, guerre entre gang armé a déjà fait 89 morts. 16 moun disparaît, 74 blessés par balle ou bien par arme blanche et puis 127 cas détruits. Corps 21 moun qui mourit en bas du feu. D'après l'organisme Cap Défendre Droit Moun qui dévoilé, la guerre ça a été déclenchée par coalition gang yorele G9 là. G9 en famille et alliés qui gagnait la dernière comme chef de gang n'ap cité Jimmy Cherizier, Barbecue, Delma 6, Mathias Saint-Il, Katia Boston, Andris Iska, Belekou, Tyson Samedi, Nan Raquette, Serge Alectis, alias T Junior, La Saline, Mikano Altes, Waf Jeremy, et puis un certain de Kenley dans Tokyo. Moun sa yo ki uni force yo ensemble, gang yo décidé dans date 7 juillet passé à pour lancer yon offensive contre chef quartier Bouklinan, Gabriel Jean-Pierre, alias Ti Gabriel, qui a dirigé GPEP, yon l'autre coalition gang, qui s'est ennemi juré G9. Objectif G9 lan, c'est arriver contrôler toute Cité Soleil. C'est ça n'dédi. Depuis offensive si là, pas gen yon journée qui passe pour pas gen rel nan pi gros bidon ville pays a. Organisme si là fait qu'on ait gen 8 morts nan date 7 juillet, 47 morts nan date 8 juillet, 23 9 juillet et puis 11 qui mouri nan date 10 juillet 2022. Contrairement à l'offensive qui t'est passé, yo RNDDH fait quoi? Gang G9 lan li jwenn soutien autorité au pouvoir. Particulièrement Ariel Henry. Et ou quoi c'est ta vrai Ariel? Pour t'al soutenir G9 ou bien GPEP Ariel. Ha ou tap méchant pile, mais celle ça me connaît. La pluie gen pou le tomber, coute le roi gen pou le tirer, tempête gen pou le passer, catastrophe gen pou le passer sous pays ça, ma point non. Mais comme souvent des fois, les catastrophes passent dans pays ou konwe, c'est bon grain qui allait et puis en pile mauvais grain rete. Mais dans ça ni journée jodi à la monsieur, halte là. Autorité aussi suspend si porte gang. Suspend si porte gang. Même pour moun ka fè commentaire sur channel la kap di n'ap si porte gang. Mkwè moun sa ta nan illusion parce que nan sa pe pa isyen jounen jodi a pou m ta wè mwen même m'ap si porte on gang. On vagabond, on volé, on kidnappé. Ah mon chéri, on t'a plutôt fermé channel là. Hein? C'est pas tap sérieux ça. Mais c'est ça m'ap di nou an oui. Lè n'ap bat fon bat choix là, non pas bat sac pa la seulement. Parce que moi nous live dans monde sac pa la nouye. Les gon live nous a joué iso dans live là. Ça ça va le faire. Iso a toujours fait même bagaille li yo.
C'est nèg kap kole de avec Izoyo, nèg kap kole de Atilabi, nèg kap kole de G9 yo. C'est moun sa yo problème nan. Ou tande? Dernièrement là nan bataille là, ouais nèg yo gen tracteur nan meyo. Nèg achete tracteur? Est-ce que gen nèg achete tracteur? Nèg gen bakolo de nan meyo pou al kraser kay. Eh bandi gen bakolo de, bandi gen tracteur, bandi gen char. Quelle est cette histoire? Ça veut dire autorité a collaboré à bandi et puis autorité a plein pour insécurité. Tête chargée. En tout cas, organisme qui a défendu à Mounan souligne que matériel Centre National Équipement CNE, yon organe dans l'État haïtien, yon mette matériel sa yo à disposition nèg armé G9 yo. Yon manière pour capable faciliter coalition gang sa dans entreprise li qui visait détruit kay nan Brooklyn jusqu'à ce que yon rive dans fief ti Gabriel. Pendant li dénoncé, ça a passé le fait que citoyen dans Cité Soleil livré à eux-mêmes en bas balle gang armée RNDDH invité coalition qui n'en pouvoir une manière pour capable mettre fin à rapport copinage. Ça veut dire tête ensemble entre nèg qui n'en pouvoir bandi pour ça suspend dans Cité Soleil. Est-ce que RNDDH menti? Est-ce que RL pour menti dans série de détails nous tabay sous question Cité Soleil là? Kounya na di tête non, même moun ki complice yo. Gon green bagay pe haïtien. Nous songe les pays lok la. Yo te kon di Jovenel tel côté depuis yo di Jovenel tel côté nou pote bourré. Tande bien, je ne jodi a la, ça k fait depuis yo lomen non moun, nou rete nou croiser bras non, c'est gondé n'a gondé moun ça. Hein? Comme CNE a li même, li pa gen choix. Comprendre parce que côté CNE a c'est en face Tyson. Donc si nèg yo mande appareil sa yo matériel sa yo pa bay li, eh bien Tyson ka fon vari sou yo la et puis sortant de la CNN nan problème, donc yo obligé coopérer. Haïti monsieur Haïti tête charge. En tout cas n'attend parce que gen laisser bon Dieu pou la gon catastrophe sou pays ça pour mauvais grain yo aller. Après une semaine dysfonctionnement, terminal Vareux reprend livraison carburant matin jeudi 14 juillet 2022. Merci bon Dieu papa. Paye un galon gaz 1500 pour mettre nos moto pour mal font route. En tout cas, m'espérer que bagaille après prendre terminal là côté gagné 70% carburant qui stocké qui importé par B ici là, il était dysfonctionnel depuis reprise hostilité entre gang armée G9 et GPEP dans date 7 juillet passé. Est-ce que n'a gagne chance pour sortir à gaz là s'il vous plaît? Bandi s'il vous plaît. Ba on ti chance non. Faut camper bataille là. Pour gaz la ka sorti, pour peuple la capable jwenn ti gaz parce que nous pas capable. A galon gaz 1500 goud, 2000 goud là. Actualité journée et puis après n'a tourné pour boucler. Comité de gouvernance ça. Hein? Li composé. M'a présenté nous membres. Docteur Hans Larsen. Représentant de la primature. Docteur Ernst Barbeau. Représentant de l'Agence française de développement. Docteur Yves Gaston Delouche, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population. Docteur Jean-Hugues Henris, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population. Docteur Yves-Rose Chrysostome, représentante du ministère de la Santé publique et de la Population, DOS. Docteur Alix Lasseg, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population, et point focal pour la reconstruction et la restructuration de l'HUEH, qui est absent vu l'état de santé de sa femme. Docteur Karine Cléofa, représentante de l'Association médicale haïtienne. Docteur Jessie Adrien Colimont, représentante de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Ingénieur Jean-Marie Georges, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, unité technique d'exécution. Ingénieur Pierre-Michel Joissin, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, unité technique d'exécution. Docteur Elsie Salnave, représentante de l'Agence de l'United States Agency for International Development, USAID. Et M. Castel Farrell, économiste, groupe croissance. Commission Sahara, il y aurait la commission de gouvernance. Rolli, c'est suivre
point par point construction de l'hôpital là, et en même temps fait formation pour les nouveaux employés. Parce que sous un hôpital nouvel, un hôpital neuf, un hôpital moderne, il faut que les employés capables de servir avec matériel nouveau, matériel neuf. Personnellement, je souhaite un bon travail. Je souhaite que dans un temps pas trop lointain, on ait inauguré l'hôpital là. Le ministère de la Santé publique fait choix de nous pour nous capables, ouais, comment nous capables, premièrement, aider à accélération, finalisation, bâtisse là, caille là. Mais deuxièmement, surtout, pour nous changer un paradigme qui existait dans le pays d'Haïti, côté. Nous avons tendance à avoir ce qu'on appelle des éléphants blancs. Yo fait choix de nous sur une tâche qui est excessivement difficile. Son tâche tout, je pense qu'il y a une tâche qui est très ingrate, nous connaissons ça. Parce que organiser, ce n'est pas forcément faire plaisir. Organiser, c'est permettre à la génération à venir d'avoir un meilleur service. C'est permettre que tout petit monde nous gagne dans le pays d'Haïti, tout jeune que nous gagne dans le pays d'Haïti, doit avoir accès à une qualité de soins qui est meilleure que ça les joint aujourd'hui. Donc, son tâche est difficile parce qu'il faut, premièrement, faire les statuts. Deuxièmement, rentrer dans le budget. Troisièmement, rentrer dans l'organisation même système. Nan. Et puis quatrièmement, surveiller aussi dans le système. Donc, moi, je garde nous toutes, pas nos plis comme là, des gens d'expérience. Je suis capable de dire que je suis dans le pays d'Haïti, mais. Je ne sais pas si bon que ça. Dans le domaine ça, je pense que le ministère a fait des choix de bon augure et les organisations ont fait des choix de grande valeur et ensemble, nous allons essayer de travailler pour permettre que l'hôpital général HEH bâille au meilleur service à la population. Jodi a, tout le monde vient rendre yon compte. Ça peine qu'on a dit depuis plus passé 10 mois que Ariel Henry pa gen ni volonté ni capacité, li pa capable adresser les vrais problèmes pour t'apporter solution pour peuple haïtien. Tout le monde te fait comme si yon pas attendu. Et jodi a, nous fini. Jodi a, si moun piti pa épanoui. Jodi a, vieillard pa épanoui. Je dis à moun qui employé qui travaille dans l'état pa épanoui. Je dis à la police policier yo vite tout menacé vite tout en danger. Pa gen moun qui pa menacé je dis à nous même qui dans presse là. Nous sorti là pa gen di na privé la caillou nou, et pa gen kidnapper nous. Tout moun a crié je dis à tout moun qui gen frère, qui gen sœur, qui gen matante, qui gen cousin, cousine, qui gen condisciple. Je dis à yo tout yon façon ou bien yon l'autre, y a plein. Il a crié, il faut que vous jouiez l'argent prêté pour y'a payer. Yon premier rançon, yon deuxième, yon troisième pour kidnapping. Alors que nous-mêmes, dans la peine, nous te dit, faut que nous camper ensemble pour couper le phénomène ça. Nous, nous, gouvernement pas capable. Nous, une équipe monde qui pas capable. Yon équipe mafou qui là, ça ne veut dire rien pour vous. Massacre, Cité Soleil, massacre La Plaine, massacre plusieurs autres côtés dans le pays, ça ne veut pas dire gouvernement rien. Mais depuis que les gens qui tombent dans le pays étranger, le premier instant qui t'a connu. Encore pire, ils prennent le tribunal de première instance de Port-au-Prince depuis plus passé un mois. À quelques mètres du bureau premier ministre, ils va au courant. Le premier ministre n'a pas connu. Le gouvernement n'a pas connu.
et en yon pas fait. Je dis à nous vin di, après toute considération ça yon, après tout constat ça yon, misère, gangou, chômage, kidnapping, insécurité, violence, sous tifi, sous gros femme, peine vin mande peuple haïtien une fois encore, lever campé. Lever campé tout partout. Le nord, le sud, plateau central, l'Artibonite, l'ouest, pour ne citer ça seulement. Lever campé, je dis à même. Et lever campé sans prendre souffle. Nous ne pas lever campé pour peine. Nous ne pas lever campé pour un monde. Nous ne pas lever campé pour un parti politique. Mais nous pas lever campé pour tête nous parce que nous tous menacés. Madame, nous sommes petits. Comment nous comprenons nos pays? Kidnapper nos pays, nous avons fonctionné. Nos pays ne fonctionnent pas comme ça. Pour l'école, nous avons demandé l'école pour une profession. Imaginez, un monde qui parle l'école, la fait une union sur tête. C'est le démon qui est dans la rue pour fonctionner, pour nous avoir une gaz sur l'état. Ce n'est pas possible. Et ça fait maintenant, nous avons revendiqué droit. Nous sommes à terre, nous et sous l'île, nous paraissons, pour qu'on dise ça, combien de bonnes. Je dis $300 ou même capable de prendre l'autre avenir de prendre. Qu'on a imaginé ou résio. Pas que les choix résio ou prendre, mais c'est pas parce que t'es capable. Et ça fait maintenant la revendiquer droit à nous. Nous pas accepter ça pour le gouvernement de Salabdia. Donc 1500 gouttes pour un gallon gaz. Oui, pour un gallon gaz 1500 gouttes. Et tandis que le Hollande pour plein, moto va pas prendre 1500 gouttes gaz. Moto va pas prendre 1500 gouttes gaz. Et puis toi, tu vas sur 20 gallons pour 1500 gouttes. Ce n'est pas bon. Il n'est pas bon, on a demandé au gouvernement pour dire ça à l'Abdia. Est-ce que c'est pour que vous commencez à rouler pour lui pour dire ça à l'Abdia? C'est pour payer gang et puis dire pour Ariel Campé, Ariel Wasmila, André Michel, et pour nous ramener nous une nappe gang et payer Annette. Jean, nous tous avons constaté et vivons l'année scolaire 2021, pas un bagage facile. Inquiétude te blaye tout partout. Examen officiel, malgré tout, te rive fait dans un contexte côté insécurité a te prend toute forme. Ministère éducation nationale, dans le sens parler, rive sauver passation examen yo, qui se yon gros morceau dans le processus là. Nous constatons l'État est obligé à chancrer sous côté, déplacer toute infrastructure scolaire palio pour le tabler. L'autre côté qui pas même répondre à ça. Ça vient une occasion qui fait que un pile petit monde tout qui tombé dans des centres qui pas approprié et yo revendiqué que ça a un impact sur passation examen yo. Nous arrivons à comprendre et constater examen yo passé sans gros incident, gens insécurité à terreau, en pile inquiétude, te blahi. Mais, quelques irrégularités, quand bien même,
syndicat yo rivé relevé. Parmi irrégularité sa yo, genye quelques jours examen yo te la ite dans toute la rue. Son problème. Gen kek sant timoun yo te chita pil sou pil. Son lot problème. Téléphone nan sal kote examen yo ap fèt, l'état jusqu'à présent pa arrivé genyen gestion. Bagay sa. Mais sa ki pi grave. Nan information syndicat enseignant yo rivé compilé. Gen en pile surveillant ak superviseur ki nan sal klas yo kote moun yo tap pase examen yo semblé moun sa yo pa gen anyen a voir ak kesyon professeur ni yo pa semblé tout yo se étudiant. Sa ankòr gen impact sou ti moun yo ki abitué avec professeur nan sal klas yo, ki konnen ki profil professeur dwe genyen, epi men yo rive y ap pase yon examen, epi yo trouve yo an fas, an bon moun, an fas, an pil moun, ki yo pa konprann moun sa yo. Nou denonse bagay sa, e nap mande ministre edikasyon nasyonal, menm jan se professeur yo, ki nan sal de klas yo, de ouverture l'école là jusqu'à ce que année l'école la bouclé et ben dans passation examen yo ministère éducation nationale doit faire en sorte que c'est professeur qui pour assurer surveillance qui pour assurer supervision passation examen yo. Jodi a ministère éducation nationale décidé séparer l'école fondamentale là de l'école secondaire pour nous-mêmes qui c'est un bon bagay. Mais cependant bon problème qui posé et problème qui posé a c'est que l'école nationale yo pas gen capacité d'accueil réellement pour recevoir élèves yo puisque jodi a lycée yo pas fait inscription pour 7e année. Or nous connaît l'état occupé un petit pourcentage très faible dans éducation en dans pays là. Lycée yo gen plus capacité d'accueil que l'école nationale yo. L'école nationale yo c'est l'école qui négligée. L'école nationale yo c'est l'école qui pas gen espace pour recevoir ti moun yo. L'école nationale yo c'est l'école qui gen jusqu'à présent latrine en dedans yo. C'est l'école pile fatra monter main hauteur. C'est ça qui fait en pile là-dedans, c'est premier cycle, deuxième cycle que yo te gen. Jodi a ou vinn nan situation pour yo gen troisième cycle pour nous faire école fondamentale complète là. Donc jodi a nan jiron Port-au-Prince. Ministère éducation nationale même lui-même à travers enquête que l'te fait à UNICEF yo estime gen 50 à 60 000 timoun qui abandonné salle de classe parce que justement yo te dans des endroits côté que yo pas cal l'école parce que de jour en jour c'est bandi qui a occupé espace yo. L'école grand pile l'école nationale qui pas fonctionner et qui pas fonctionner pendant année parce que justement timoun l'école ça au dans endroit yo ya yo pas ca fonctionner. Donc là, on prend une décision comme ça. Maintenant, on pose un problème. Le problème qui pose, c'est que le taux d'abandon pral augmenter dans la salle de classe, dans l'école haïtienne. Nous pral gen plus de perdition de quantité de timoun qui tapent gen possibilité pour aller à l'école, qui pas pral l'école. Parce que jodi a, parents yo à bout de souffle, yo pas gen capacité réelle pour payer l'école privée pour petit yo qui pour permettre que timoun yo à l'école. Si yon force, yon met ti moun yon dans l'école privée, yon nan bagay ki pral rive yon en pile par an, yon privé nan mitan ane, yon pa ka paye l'école la, et ti moun sa yon pral abandonné. D'où, taux de perdition pral augmenté. C'est ça qui fait nous dit que c'est l'État qui pour créer conditions d'accès à l'éducation dans le pays. Et c'est l'État tout
qui pour travail à ce que li mette assez de l'école dans tout pays pour tout le monde ait accès à l'éducation. Nous dit que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Et de monde qui prend décision dans tête l'État, faut qu'il y ait tenu compte de conséquences que décision y a prend a gagné sous la vie population. Premier ministre haïtien Ariel Henry était dans l'ambassade du Japon à Port-au-Prince mardi 12 juillet 2022. Objectif visite ça, c'est signer un registre condoléances après assassinat ancien premier ministre japonais Shinzo Abe et semaine qui s'est passé là. Chef gouvernement dit content le fait que les signes registre en présence chargé d'affaires AI Japon dans pays d'Haïti Yadama Shingeshika. C'était occasion tôt pour premier ministre adresser dans nos gouvernement avec peuple haïtien condoléances avec famille ancien premier ministre Shinzo Abe avec peuple japonais côté selon sa premier ministre rappelé gagnon opération qui portait un pile fouille entre deux pays. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici, incliné et présenté condoléances par moi, ainsi que condoléances peuple haïtien, devant disparition tragique de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. C'est un homme qui a travaillé au bonheur et au bien-être de son peuple. Il était œuvré en pile pour la paix dans le monde. Et avec disparition, ça, peuple japonais perdu, un vrai garçon, petit lit. Famille perdu un être exceptionnel. Et le monde a perdu un artisan de la paix. N'a pas rappelé, c'est Ayamazi de Gianto. Il y a plusieurs milliers de Japonais qui étaient rassemblés sous trajet côté funéraire Shinzo Abe. Ancien premier ministre japonais a été assassiné avec deux balles pendant qu'il a fait un meeting politique dans la date 8 juillet.